Bretagne. Ouest des terres. 29 septembre. Équinoxe d'automne. Coucher du soleil. Nous, les 7 milliards de terriens de ce début du 21e siècle, avant les dents longues et la goule grande, nous avalons et recrachons plus que la terre ne peut supporter. Trop d'arbres, trop de poissons, trop de CO2, trop de méthane. Petit sapiens est partout. Il pesticide comme il respire. Il éventre comme il marche. Il rase et gratisse. Les animaux n'ont plus leur place. Les arbres n'ont plus leur place. Mais si les animaux s'en vont, qui restera couché dans la poussière pour empêcher le néant de monter de la terre? Et s'il n'y a plus ni d'oiseaux ni d'arbres, qui empêchera la nuit d'en haut de tomber? Qui? Petit sapiens préfère ne pas y penser. Ce sera le temps de l'homme. Le temps de l'homme seul. Le temps de l'homme vide. Nous, les 7 milliards de terriens de ce début de troisième millénaire, sommes entrés dans ce que le prix Nobel de chimie Paul Crutzen appelle l'anthropocène. Un temps où les modes de production et de consommation de l'être humain modifient de manière irréversible les équilibres du vivant sur cette planète. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous vivons à crédit. Nous tirons des traites sur le devenir. Nous laissons à ceux qui viennent après nous la certitude de temps troublés, voire chaotiques. Au 22 août 2012, nous avons déjà consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète peut nous donner en une année. En 2005, c'était au 20 octobre. En 2000, au 1er novembre. En 1986, il nous suffisait d'une terre pour vivre. Aujourd'hui, il nous en faut un tiers de plus. Ça va vite. Très vite. Trop vite. L'ONG Global Footprint Network appelle cela le jour du dépassement global. Tout un programme. Et ce jour qui remonte le fil du temps est le marqueur d'une société mondialisée, la nôtre, qui veut croire qu'une croissance infinie et sans contrainte est possible dans un monde dont les ressources sont par nature limitées. Si tous les humains vivaient comme un Américain dit moyen, il faudrait 6 terres pour vivre. Comme un Européen, il en faudrait 3. On va dans le mur, on le sait. Mais on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, 29 septembre 2012, quelques jours après l'équinoxe d'automne, Saint-Michel terrasse encore le dragon. Le jour égale encore la nuit, mais on va bientôt entrer dans les mois sombres. Ici, on les appelle Mistu. Et autrefois, du temps où l'on vivait proche de la Terre, c'était le moment où l'on réglait ce que l'on devait, le moment où l'on renouvelait son bail pour l'année à venir. Il est encore temps, peut-être, de remettre les plateaux de la balance en équilibre. Encore temps d'enchaîner le dragon qui nous hante, encore temps de s'accouder au bord du monde, léger, joyeux et vivant. La Terre ne nous appartient pas, mais nous, nous appartenons à la Terre. Nous pouvons bien rêver des étoiles, mais elle est notre seul territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?